Salut tout le monde, c'est Dark Moon et je suis en compagnie de Ella la chasseuse. Et bonjour. Donc je me sens un peu con car en fait j'ai déjà tourné cette vidéo mais j'avais oublié de recorder le son. Et oui, cette horaire oblige. Je me suis fait bien avoir. Donc je vais expliquer un petit peu le début parce que pourquoi j'expliquerai le début vu que j'ai fini la quête principale, la première. Hein. Donc là, ça veut dire que j'ai Skyrim, Dawn Girl, qui rajoute une autre quête principale, on va dire. Parce que le but c'est de tuer les vampires ou de les rejoindre. Moi je vais me contenter de les tuer. Car j'aime pas trop. Je sais qu'il y en a, ils aimeront bien attirer l'armée des vampires. Donc il y a un mec qui est venu m'interroger à Blancheville, il m'a dit oh, ça vous dirait de faire partie de la garde de l'eau. J'ai passé un grand moment, très grand moment, je cherchais par où. Et en fait, il y a un... En fait, là où le château, il est dans une région que personne connaissait. Enfin, qui est inaccessible. Donc j'ai essayé d'y aller, ça m'est, vous ne pouvez pas aller plus loin. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai utilisé clairvoyance. Et ça a marché. Donc j'étais content. Donc là on va suivre le mec qui lui aussi veut faire partie de la guilde. Un élan. Vous avez probablement tué des tas de vampires, n'est-ce pas? Ah oui. Je voulais dire que oui, il y a des vampires, ils m'ont... Il y a pas mal de vampires qui sont venus m'embêter. Donc oui, parce que... Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas d'arc? C'est pas grave. Kisran vous engagera sur le champ. Moi, par contre, c'est moins sûr. Malheureusement. Donc lui, il est vachement... C'est sûrement le fort de la garde de l'aube. Waouh. Je ne le voyais pas aussi grand. Ah ouais. Ah ouais. Joli, mec. Ah, il est beau. J'en veux un pareil. What the fuck. Où sont les autres? Cet endroit m'a tout l'air désert. Oh, what the fuck? What the... Oh... Bitch. Oh, comment c'est grand. Eh les mecs... Une arbalète. Donc c'est lui qui est venu me parler. Tiens, regardez qui voilà. C'est la première fois que vous voyez une arbalète? Rien d'étonnant. C'est une spécialité de la garde de l'aube. L'idéal pour abattre les vampires. Tenez, essayez celle-ci. Yeah! Vous devrez apprendre à l'utiliser si vous avez vraiment l'intention de rejoindre la garde de l'aube. Oh, oh. Yeah! Mmh. Ça c'est cool. Une arbalète. Ah, c'est pas pareil les carreaux d'acier. En fait c'est la même chose que... C'est la même chose. J'aime beaucoup le rechargement. Bref, allez go. What the fuck, il y a eu un truc jaune. Quoi? Oh les bastons. Oh, magnifique. Bon. Il était joli, lui. Headshot. Allez, go. Pas que ça foutre. C'est bien la balette, en tout cas.
bon, c'est pas mal. On y est. Souhaitez-moi bonne chance. C'était pas un truc que j'attendais énormément, car j'aimais beaucoup l'arc. Mais chapeau, moi je dis De nouvelles recrues. C'est Isran qui décide si vous en avez la carrure. Entrez, il est à l'intérieur. Je sais pas si je porterai leur armure, mais mais je verrai. Ce serait trop bien, il y a un truc genre on peut les personnaliser et tout. Genre on peut changer la couleur, que on peut mettre ici, des... Mais Vigil et moi avons réglé nos comptes il y a... Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis quelqu'un. Pardon, j'espère que ça ne sera pas entendu. J'ai réussi à écarter le micro. Peut-être pincé ou peut-être... Mais le mec, je faisais que regarder. C'est vrai. Je suis content que la nouvelle se répande enfin. Mais c'est quoi son arme? Que les vampires seront bientôt mis au parfum, eux aussi. Quelqu'un doit passer à l'offensive pour tenir ces maudits vampires occupés, pendant que nous rénovons le fort. Tolan m'a parlé d'une grotte où les vigiles sont allés fourrer leur nez. Il semble croire qu'elle a un lien avec les récentes attaques de vampires. Tolan, parle-lui donc de... C'était quoi déjà? Sombreval. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. La crypte de Sombreval. Frère Adalvald était persuadé qu'elle contenait un artefact de vampire très ancien. Nous n'avons pas plus prêté attention à ses sornettes qu'à Isran. Il se trouvait au bastion lorsque celui-ci a été attaqué. Ça me suffit largement. Allons voir ce que cherchaient les vampires dans cette crypte de Sombreval. Avec un peu de chance, ils s'y trouveront encore. Libre à vous d'aller fouiller les alentours du fort et de prendre ce qui vous chante. Il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qui peut vous servir est à vous. Je vous retrouverai à son... Ce que j'adore dans Skyrim, c'est qu'on est tous... C'est la moindre des choses. Salut les mecs, je peux faire partie de votre guilde? Tolan, t'es déjà seigneur de... Toi, t'es déjà tout, ça y est, tu peux faire ce que tu veux. Je n'avais jamais été entraîné pour... Hein? Clément? Non, rien. Vous nous prenez pour des lâches. Pour vous, nos morts sont la preuve. Allez-y. Stendhal assure que vous ne devez pas... Allez-y, ça sert à rien. J'irai parler à Isran dans une minute. Recalé. Oh, c'est le pédale. Je me rends à la crypte de Sombreval. Il a peur. Ah, oh, putain. L'air de... j'arrive plus à parler. Alors comme ça, Isran vous a donné quelque chose à faire. Je savais que vous lui plairiez. Bonne chance. Ouais. Prestige. Normal. Hop, ça c'est fait. Comment t'as sauce? Ah oui. C'est en fait, je crois que c'est pour récupérer le parchemin des anciens là où je me téléporte. Je vais vous lire tout de suite. Chargement. Donc je me suis racheté un cheval. Putain, je l'ai one shot. 300. C'est normal que je le one shot aussi. J'en ai pas beaucoup, mais... Je sais pas pourquoi c'est aussi puissant. Ça doit être mon armure. Ça m'étonnerait bien que ça soit sur l'arbalète, tu sais, de notre coup pété. Même que l'arc qu'a ma compatriote est chuté. Ça veut dire qu'elle m'a tiré dessus une fois, elle m'a tué. Ouais, je sais. J'ai pas ragé, mais ça bug un peu. Je suis désolé. J'adore le cheval, non. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein. C'est pour faire ça. Hein. Pour aller plus vite, pas tellement, car ça va pas si vite que ça. Bon, c'est regrettable. En plus, il est joli. Hein. Faudrait que j'achète un mode. Faudrait que je prenne un mode qui ajoute le cheval encore plus beau.
Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est vrai que sur PC les mods... Par contre ça m'énerve ce truc qui tourne, le truc bleu. Donc si quelqu'un peut m'aider, qu'il le fasse ou se taise à jamais. Ces vigiles ne savent jamais s'arrêter. Je croyais leur avoir donné une bonne leçon la dernière fois. Il faut être aussi bête que les autres pour venir ici sans escorte. Il s'est bien battu, mais il n'était pas à la hauteur de Tyrone et Pressot. Ils ont bien mérité leur sort. Leur arrogance était devenue insupportable. Tout ceci m'a donné soif. J'espère qu'un autre vigile passera bientôt dans le coin. Si seulement Lokil pouvait se dépêcher, aurons-nous la chance. C'est tout ce que vous savez faire ? Trop, c'est trop. Laissez les gratte un minute. Attention, mon frère. Attention, mon frère. Allez, vite. Tiens. Ouh, finish. C'est un peu le bordel. Je vais récupérer son. Ah. C'est quoi ça? Je prends. C'est quoi le collier? Viens, on le met. Après on se transforme en chien et tout. Ça j'ai piqué. Je sais pas pourquoi ils disaient, mais ils ont dû tuer les mecs qu'on avait envoyés. Torche. J'ai pris une torche. Voilà, de toute façon, il y en avait trois, genre il y en a deux, c'est ok. Bon, on continue. Allez où? Dès là. Sauvegarde. Ah oui, j'ai eu l'occasion de jouer à Zelda. Super jeu. Compliqué quand même, mais super. On va dire qu'Anonymat m'a un petit peu aidé dans... Bref, je sais pas où je vais. Là, c'est là où je viens. Non, je viens pas. Yeah. Allez, maintenant on sort là. Marrant, il y a quelques temps, je n'aurais pas trouvé ça. Merde. Oh, je peux courir. Je peux toujours courir. Hop. Non, non, j'adore ce qu'on met dedans. Double triangle. Non, ça marche pas. Ça fait un peu parce que j'appuie sur les mauvaises touches. Comment c'est trop bien. Mais où est mon arme? Après je m'enchanterai l'arbalète. Si j'ai pas besoin. Par contre, ça c'est chiant, c'est quand tu prends un truc, c'est. Qui est là? Très chiant. Mais ça marche en tout cas, je vais. Ça m'intéresse, mais je voudrais juste savoir. Par contre, les carreaux, on peut pas les reprendre. Il y aura un moment où j'aurai plus de. Donc j'ai pris l'arc pour au cas où j'ai plus de munitions. Destruction. Ça c'est chiant. C'est pour ça que je l'ai mis en place.
enchante ce truc. Je sais pas ce que je pourrais. Je prends, hein. Je prends même si ça vaut pas la peine.